Mustapha, c'est d'abord un artiste. C'est le gars qui cherche. Il cherche. Ce qu'il faisait avant, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le design. C'est un homme très débrouillard, très intelligent. C'est avec lui que j'ai appris comment bricoler. J'ai été honoré de la la Légion d'honneur. Les gens viennent chez moi maintenant pour demander à ma femme qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, qu'est-ce qu'il a fait ceci, cela. Au Niger, non. Moi, j'ai dit à ma femme, il ne faut pas répondre. Il n'a rien fait. Elle a dit non. Elle a pleuré, elle a dit non. Ça, c'est un truc qui m'a touché. Bon, ce que je souhaite, c'est que aussi un jour, ce pays reconnaisse la valeur de Mustapha, la juste valeur de Mustapha. Parce que souvent, on l'a un peu oublié. Il passe ici presque comme un inconnu, parfois, dans les rues. Qui connaît Mustapha chez les jeunes ici? Peu de monde. Or, c'est un grand bonhomme. Demain, on va dire, ah, Mustapha ceci, Mustapha cela. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il faudrait le dire? Et puis aussi, ce qui m'a beaucoup touché aussi, et dans le sens inverse, c'est que beaucoup de jeunes Nigériens là, qui sont allés à l'extérieur, on leur montre mes films. Ils discutent avec les gens. Ils sont tout heureux. Ils m'envoient des mots pour me remercier. Et ça, c'est touchant, ça. J'étais avec Mustapha. On va dans un bar. On me dit bonjour, patron. Et à lui, on lui dit bonjour. Ça le fait rire. Moi aussi, ça me fait rire. Quand on amène l'addition, c'est lui qui m'invite. On met l'addition à côté du blanc parce que c'est lui qui a l'argent. Tout ça, il sent ça. Le comportement des individus, le meilleur comportement, c'est eux-mêmes qui les créent. Le mauvais comportement, c'est eux-mêmes qui les créent. Lui, il est parti de rien. Il avait peu de moyens, mais par la force qu'il avait dans sa création, et tout le monde a quelque chose en lui d'un pouvoir créatif, il est arrivé à ça. Et quand je dis il n'est pas connu ici, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce monsieur peut traverser la rue ici, on ne sait pas qui est Mustapha Lassane. Ils ne se sont pas rendus compte d'abord que j'ai fait beaucoup de choses, wallahi. Ils se rendront compte de ça après. En réalité, il nous a amené beaucoup de choses, parce que je peux dire que c'est grâce à lui qu'on a pu savoir que le cinéma, ce n'est pas quelque chose de compliqué, ni de mesquin, ni de survie. Mais c'est un truc de jeu, comme par exemple le théâtre et autres. Au moment où ce n'était pas Fest Parcours, c'était un cinéma. C'est lui qui a gagné le premier prix à Ouaga. Il a eu beaucoup de médailles au Festival de Cannes. Mustapha, c'est, même s'il y a une différence d'âge entre nous, elle est si petite que si nous avions appartenu au même village, nous aurions été circoncis en même temps. Si bien que je le considère comme un camarade d'âge avec qui j'ai toutes les libertés. Il aime créer. Bon, voyez par exemple, votre caméra avec laquelle vous travaillez là, le grand frère est capable de dire qu'il va fabriquer sa propre caméra. C'est un artiste. J'ai vu ce qu'il a fait. Par exemple, c'est lui qui a dessiné les armoiries du Niger. Mustapha fait partie de l'histoire du Niger, de l'histoire de l'Afrique. Du point de vue de l'architecture, Mustapha Lassane a donné du sien. Et aujourd'hui, quand vous observez les garde-fous confectionnés par Mustapha Lassane, si on ne vous le dit pas, vous allez vous interroger, est-ce du bois ou du béton? La réalité, c'est que c'est du béton, mais dans son architecture, il l'a façonné de telle sorte que cela donne l'impression d'être en présence d'un bois, d'un tronc d'arbre. Mais maintenant, je vous propose d'aller vers une autre nouvelle œuvre tout à fait inédite de Mustapha Lassane. C'est le pavillon du costume. Ce pavillon a été conçu et réalisé en 1962 avec le concours technique de Mustapha Lassane. Il a une capacité
énorme de conception et de réalisation. Ce qu'il faisait avant, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le design. Ça, c'est grâce à son design qu'on a ce bijou aujourd'hui. Du point de vue architectural, c'est un mariage harmonieux et réussi entre la tradition et le modernisme. On a profité, à partir des mannequins que vous voyez tout autour de nous, pour présenter les différentes tenues traditionnelles portées par les différentes ethnies du pays. Ces mannequins tournent depuis 1962, date de la création de cette salle. Les machines sont fatiguées et beaucoup de machines se sont arrêtées. Voilà pourquoi j'ai fait appel au jeune frère de Mustapha Alassane pour nous commander ces machines. Ces machines viennent d'arriver, il est en train de les monter. C'est avec lui que j'ai appris comment bricoler. L'électronique, c'est avec lui que j'ai appris ça. L'électromécanique, c'est avec lui que j'ai appris ça. C'est lui qui m'a appris comment marche le panneau solaire. Je me suis dit, bon, un jour, ce système qui fonctionne là, comment ça marche? Tu vois? Comment ça marche? Les amplificateurs, comment ça fonctionne? J'ai contacté une maison qui s'appelle Erelec. Hein? Et ils m'ont donné les premières leçons en électronique. Deuxième leçon, troisième leçon, c'est fini. Et quand tu comprends ça, comment ces choses fonctionnent, de grâce, tu peux faire l'expérience. Et j'ai fait l'expérience avec ça. Et je fabriquais à l'époque là des amplis avec ces tubes-là. Je fabriquais des amplis avec les transistors. C'est un monsieur qui est presque vénéré à Tawa. Par la jeunesse, par la classe milieu et par les gens de sa génération. Il m'a appris beaucoup de choses. Mais s'il n'est pas de bon caractère, moi je ne peux rien faire. Je serais paresseux. Tous les gens qui gravitent autour de Mustapha Alassane, c'est des gens qui ont besoin d'être aidés à un moment donné. Mais maintenant, ils sont autonomes. Maintenant, c'est des centres de décision autonomes. C'est le type qui m'a fait vraiment évoluer, hein, parce qu'il m'a montré pas mal de choses dans le cinéma. Et actuellement, beaucoup de gens m'ont connu, au Niger comme ailleurs. Et ce type-là, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Il les a aidés sur le plan matériel. Ce qu'il a en revue, là, il a pris, il a fait des trucs pour eux, il leur a donné. Ce qu'il a de son savoir, il a confié ça à ces gens-là. Moi, Mustapha m'a beaucoup donné des idées sur le cinéma nigérien que jusqu'à présent, je les ai encore en tête. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris avec Mustapha. J'ai appris la réparation des appareils. J'ai appris l'électricité en bâtiment. J'ai appris un peu la soudure à l'arc. Et aussi, il a fait utiliser ses propres relations pour aider ces gens-là. C'est pas être généreux, ça? Je connais comment fonctionne le visé réflexe. Je connais le problème de la stabilité de la caméra par rapport à la pellicule. Bon, tu vois, Jean Rouche, il regrette beaucoup. Un jour, il a amené une caméra à Niamey. Il tournait. Cette caméra est tombée en panne. Il m'a dit ce qui s'est passé. J'ai dit, bon, il me laisse un peu, je vais regarder. J'ai regardé, j'ai constaté qu'il y a un pignon dans le moteur de la caméra qui était foutu. J'ai vu le bijoutier et on a monté on a démonté la caméra, on a vu le pignon qui n'allait pas. C'était en plastique. J'ai fait faire le pignon en argent. On a monté la caméra, le troisième jour, j'ai dit, mais genre, voilà la caméra. Et la caméra, quand il l'a amené en France, hein, les gens, ils ont vu ça. Ils ont modifié toutes les caméras là en faisant ce que j'ai fait là. Sa contribution a été grande et tellement il a contribué à créer l'esprit de l'IFAN, l'esprit de ce centre de recherche et qui a donc attiré, encore une fois je répète, qui a quand même attiré les gens au cinéma. Au moment où il était enfant, bon, il abordait tout. Par exemple, c'est un type que
Il était parti à l'école coranique. En un rien de temps, il a fini le Coran. Chez nous, l'enfance n'est pas importante. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'un tel, a fait dans sa classe. Mustapha est un Yoruba et les Yoruba, tels que je les ai connus, bon, c'est une société qui apprend aux enfants très tôt, quoi, bon, à être, c'est-à-dire à agir. Nous sommes des nomades. Mon père a quitté le Nigeria et sont allés s'installer à Djougou, au Bénin. C'est là-bas qu'il est né. Moi aussi, je suis né là-bas. Bon. Après, dans les années 48, quelque chose comme ça, 48-49, mon vieux est revenu à Yoruba. Le plaisir que j'ai eu à travailler ici, à l'IFAN, au sein de recherche, c'est qu'il y avait des personnalités comme Mustapha. C'est l'IFAN qui est devenu l'IRCH. Et Mustapha était responsable du service cinéma, avant que je ne vienne à l'IFAN. Et il est resté responsable du service jusqu'au moment où il a demandé à quitter, quoi. C'est quelqu'un de sobre. Ça, il faut le lui reconnaître. Il est très sobre et il est méthodique. C'est quoi méthodique? C'est que s'il te confie une affaire, c'est qu'il te la confie définitivement. C'est quelqu'un qui ne fait pas fi aux allégations. C'est quelqu'un qui est généreux. C'est quelqu'un qui est disponible. Sa disponibilité et sa production en ont fait un personnage pour qui les rapports humains représente quelque chose, en dehors même de la production cinématographique et autres. Et il m'a dit qu'il allait faire son stage au Canada. Bon, d'abord, le Canada, c'est on brise la dépendance avec la France, quoi, le monopole de la France. C'est une ouverture et il va se perfectionner. Et j'ai réalisé un film d'animation au Canada qui a eu l'Antilope d'argent au Festival des Arts Nègres en 1966. À ce moment, il a maîtrisé les techniques. Pour moi, il est devenu plus indépendant encore. Parce que si Mustapha te dit, écoute, moi je veux faire un fusée, mettre quelqu'un là-dedans pour aller à la Lune, voilà, il va le faire. Il s'est installé à Ottawa. Il fait énormément de choses différentes. Il fait l'hôtel, il fait, je sais pas, de l'élevage, il fait... C'est lui-même fabriquer des jeux de dames et tout ça juste pour... Je pense que c'est ça, il s'est un peu... Je sais pas si c'est avec l'âge ou quelque chose comme ça, il s'est un peu relâché dans des trucs, il diversifie. Et ça casse un peu sa vision qu'il avait vraiment par rapport à l'audiovisuel. Un homme de cette trempe, on s'attend à voir quelqu'un qui vit à Niamey, dans le luxe qu'il peut avoir, hein, qui est tout à fait mérité. On dit le grand Mustapha ici à Niamey, dans un contexte, un décor qui est celui d'une villa. Luxe. Mais il a choisi de vivre à Ottawa. Moi, je ne sais pas ce qui l'a poussé à aller s'installer à Ottawa. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est le fait qu'il soit à Ottawa, ça a bloqué plein de choses pour lui. Parce qu'il n'a pas de repère extérieur par rapport à ce qu'il fait. Parce qu'il peut faire une œuvre s'il n'y a pas de critique là-dessus, si tu n'as pas d'autres yeux sur ça. Je pense que ça ne peut pas être une œuvre formidable. Il a choisi de vivre à Ottawa. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de... Ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire qu'il s'est lui-même imposé des limites de vivre là où il a envie de vivre, loin du brouhaha de la capitale de la ville où il aurait pu être Monsieur Mustapha. Mais il est resté Mustapha, simplement, là-bas, avec tout le monde.
Et ça, pour moi, c'était... quelqu'un n'est jamais aussi grand quand il a voulu rester, non pas petit, mais avec les plus simples. Et sa simplicité ont beaucoup influencé les gens. Bon, on fait que il a eu une production absolument extraordinaire, donc allant du dessin animé jusqu'à la fiction, quoi. Moi, je ne sais pas ce que je veux faire, mais je ne peux pas, en tout cas, vivre sans faire du cinéma. Je ne sais pas comment on va se dérouler. Il m'a dit non, ne t'inquiète pas. Un jour, on va développer le cinéma dans ce pays-là. Et quand je me suis engagé avec lui, on avait le temps de causer, on avait le temps de parler, on avait le temps de tout arranger, on avait le temps de réfléchir. Et c'est comme ça, un jour, il a dit, je vais faire un film cow-boy. J'ai dit, mais qu'est-ce que ces histoires-là, Moustapha? Qu'est-ce que tu as à faire avec un film cow-boy? Les Africains n'ont jamais été cow-boys dans leur vie. Il me dit, non, moi, je vais le faire. Je rêve de ça et puis j'ai envie de le faire. Et Moustapha, quand il dit, je vais faire quelque chose, il va le faire. Rien à faire, il va le faire. Un jour, il nous a réunis comme ça, il nous a dit que vraiment, il veut faire un film western. Et au Niger, on lui a tous donné nos feux verts et nos cœurs, quoi. C'est-à-dire, on lui a donné le feu vert pour qu'on puisse faire ce film, pour qu'on puisse montrer aux gens que même en Afrique, on peut faire des films. Moustapha nous a réunis, on était d'accord avec lui. Et à la suite de ça, chacun de nous, il nous a donné un nom auquel on doit nous appeler dans le film. Moi, je m'appelle Nani Abdou, mais dans le film, on m'a donné un nom Billy. C'est comme ça qu'il a fait. Le retour d'un aventurier. Le retour d'un aventurier. Je considère qu'il fallait trouver un titre. Et moi, j'avais voulu marquer ce temps par le film-là. Pour que les gens aimaient ce film-là, ils voulaient s'identifier aux héros de ce film-là. C'était le chemin le plus facile. Maintenant, après le retour d'un aventurier, tu as eu un succès parce qu'il a amené au premier festival de Ouagadougou, qui n'était pas un festival. Donc, il a mené le film là-bas, Sembène Ousmane a mené La Noire 2, l'autre cinéaste a mené d'autres films qu'ils ont fait. Et ils ont fait le premier rencontre du cinéma africain à Ouaga. Et à partir de ça, c'est parti, le cinéma, le festival Paco a démarré. Après avoir tourné le film de Retour d'un aventurier, beaucoup de Nigériens ont veillé sur le cinéma nigérien, tels que Djingare Maiga, etc. Parce que Djingare Maiga et Kabaskabo Omar Ganda, qui ont pu faire d'autres films aussi. Après Moustapha Lassane. Il a fait un film sur l'intronisation du roi Yoruba de Chaki au Nigeria. Bon. Mais ça, c'est fait exprès. On montre dans le film comment l'Africain choisit celui qui va le gérer, son roi. S'il est capable de gérer la sécurité de son peuple, s'il est capable de gérer les inconvénients de son peuple, il y a des cérémonies qu'ils font pour que le peuple sache qu'il a accepté ça. On le met à une distance et on l'appelle trois fois de suite. S'il n'a pas répondu, ça veut dire que ce n'est pas un chef, il ne peut pas être un chef. S'il a répondu, alors le peuple éclate de plaisir, tu vois. Bon, maintenant, on l'amène devant le peuple là. On lui passe de la bouche sur le corps. Et on lui a lancé un proverbe avec ça. Quand tu acceptes d'être à la tête, il faut accepter l'humiliation devant ton peuple, quoi. Et c'est l'humiliation, c'est exprimé par la boue qu'on lui passe sur le corps devant tout le monde. Bon. Et ça, une semaine après, on le ramène. Alors, à ce moment, on le couvre de tous les honneurs. Mais cette méthode-là, c'est une méthode africaine. Les gens n'ont pas laissé les Africains développer leur méthode à eux pour choisir celui qui va être à leur tête. Ces rituels, il faut les filmer en grand nombre et aussi variés que possible. D'abord pour que les gens voient leur rituel, pour que les gens se voient, et puis ensuite pour qu'on puisse les étudier, mais surtout pour qu'on puisse les comparer. Quand il y a une situation difficile, celui qui est à la tête, c'est lui qui gère la situation difficile. Et dans tout là, le roi incarné par Sotigui était le roi de la région
où se trouvait le fleuve Yalambouli. Et la soif, la misère, la désolation s'est abattue sur la région. Et après avoir consulté les oracles, hein, il fallait faire un sacrifice de la fille là, qui s'appelle Tula. Tu vois? La fille Tula n'était pas la fille du roi, hein. Elle était la nièce. En société africaine, tu as plus de pouvoir sur ta nièce que sur tes enfants, tes propres enfants. Hein? Et voilà. Et c'est ce que j'avais voulu montrer dans ce film-là. La mosquée de Tabaski, la mosquée de Jumoa, la grande mosquée de Niamey, c'est là où j'ai tourné les scènes du désert avec le vent de sable et tout ça. J'ai dit c'est le centre, c'est le centre de la ville. L'oiseau polygame et autres, c'est lui qui l'a fait. Et pourquoi il l'a fait? Parce que quand tu te promènes dans la ville de Niamey ou ailleurs, tu vois des co-épouses qui se cassent la gueule, mon mari va se marier, moi finalement j'étais en tant que la première. Elle est toujours jalouse. Mais la jalousie, c'est normal. C'est la suite de ça que Mustapha a pu réaliser ce film-là, il l'a fait. Quand il fait le film sur le mariage, disons que ça, c'est la sociologie ou de l'ethnologie. Mais quand il fait Sambagana, qu'est-ce que c'est ça? Bon, c'est un dessin animé, c'est de l'art, c'est vrai. Mais aussi, faire connaître l'histoire de Sambagana autour du fleuve, autour de l'empire du Ouagadougou et du fleuve Niger et autour de l'amour. Et bon, ça touche tous les pays riverains du Niger. Il n'y a pas que l'histoire. Donc, il y a la lutte pour l'unité. Il y a le rappel de l'unité africaine et la lutte pour l'unité africaine. FBBA, c'est l'histoire d'un fonctionnaire qui est parti de rien. Un téléphoniste qui a fait un concours. Il a reçu, il est devenu un agent spécial et il a détourné l'argent de l'État. Et finalement, il est arrêté. C'est ça le thème du film. Moi, j'étais désigné comme l'acteur principal du film. Nous sommes arrivés, nous avons rencontré Sotiki Kouyaté, qui nous a beaucoup aidé. Nous avons fait sa connaissance, il nous a logé chez lui. Sotiki avait un rôle dans le film comme moi. Tout le film était réalisé à Ouagadougou, au Burkina. En 1982, et j'ai reçu un appel de Mustapha Alassane, il était basé déjà à Tawa. Et il me disait qu'il est en train de tourner des petits films d'animation et qu'il aimerait que s'il termine le tournage, que je sois le monteur du film. Donc quand il avait fini le tournage, il m'avait appelé au début de l'année 83. Et je suis parti à Tawa moi-même, on a discuté et puis je suis revenu à Niamey, j'ai cherché tous les sons. Et on a travaillé, le premier film c'était la série Cocoa. Donc c'est un peu ça, on a travaillé avec lui. Donc c'était mon premier rapport avec, parce que moi je démarrais et lui il était déjà en plein dedans. Donc pour moi vraiment c'était une première expérience dans ce genre de travail et je pense que moi pour moi c'était un génie parce que tourner de cette manière, image par image, moi, je ne pourrais jamais penser que quelqu'un pourrait le faire comme ça. Quand il faisait les grandes fictions, c'est des sujets qui touchent la société. Donc, c'est des problèmes sociaux, c'est des problèmes culturels qu'il fait ressortir. Quand il est passé encore au niveau de l'animation, c'est toujours le même message, appuyé par beaucoup d'humour. Je veux dire, c'est des animaux, je veux dire, il y a le caméléon, il y a le crapaud, et tout ça. Donc, je pense que c'est par rapport à ça, les gens s'identifient. S'ils utilisent les animaux chacun par rapport à certains rôles, je pense que c'est vraiment par rapport à la culture des gens. Les gens, ils savent que si on dit que tu ressembles à un chameau, tout ça, c'est des trucs, je pense, qu'ils voulaient faire passer. Et c'est à des niveaux de compréhension. La lutte, c'est un sport vraiment qui est très prisé au Niger. Donc quand il a fait ça avec la langue nationale, ça a beaucoup intéressé les gens. Et tous les jours, quand on le diffuse,
les gens ils sont là en train de crier. Parce que la lutte s'est faite par des hommes. Et quand ils transposent ça, transposent sur l'animal, je pense que les gens se disent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça touche un peu sur le conscient des gens. Et nos comptes représentent une partie absolument inépuisable de notre patrimoine. Il faut que les Africains comprennent et aiment leur culture tout en ayant un regard critique, qu'ils voient leur culture pour dire « Ah, c'est comme ça que nous sommes, ben, on ne va pas rester comme ça, il faut qu'on transforme ceci ou cela, ou ça, il faut absolument le conserver. » Il faut que les gens voient leur patrimoine et qu'ils puissent l'évaluer et même l'admirer. Et là, vraiment, le cinéma, là, il est absolument... irremplaçable. Quand les gens arrivent, ils gèrent un État. Ils pensent que oh, j'étais très bien. Bon, ça, je ne veux pas quitter et laisser tout ça. Bon, ils cherchent à mettre leur enfant à la même place. Bon, ça ne va pas. Ça ne va pas. Si l'État met un minimum de moyens, les cinéastes vont montrer de quoi ils sont capables. Nos créateurs n'ont pas les moyens. Les États africains ont décidé de ne rien faire pour la création. Je ne peux pas dire que c'est une honte, mais c'est une erreur. Donc, qu'est-ce que Moustapha, lui, en tant que réalisateur, cinéaste, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas donner son propre argent à d'autres pour aller faire des films. Ça n'a rien à faire. Ce qu'il peut faire, c'est que les gens s'approchent de lui et lui disent, Moustapha, nous avons besoin de tes conseils. Je veux faire ça. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Et ça, il l'a toujours fait, en réalité. Moi, j'ai vu des jeunes qui ont passé par lui pour lui dire que nous voulons faire des dessins animés. Et il les a dit, bon, il n'y a pas de problème, venez me voir dans mon atelier à Ottawa. Il est malheureux parce que le Niger ne fait rien pour le cinéma. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas, il ne faut même pas se décourager. Voilà. Nous tous, nous n'avons même pas le droit de nous décourager. Même si nous nous décourageons, il faut que le découragement passe vite et qu'on se dise non, on va faire quelque chose pour que ça change, pour que les autres, ceux qui viennent après nous, aient une meilleure situation. Jean Rouge, c'est le type qui est trop veillant. Il est trop veillant parce que c'est le type, même quand il est assis comme ça avec vous, il a son esprit dans le film, c'est ce qu'il va préparer comme un film. Et Moustapha, c'est pareil, mais c'est parce que c'est question de moyens. Vous savez, en Afrique, quand on n'a pas les moyens, on ne peut rien faire de bon. Avec Jean Rouche, je l'ai aidé comme assistant pendant qu'il travaille le film. 10 minutes avant sa mort, il avait dit ça, on ne viendrait pas même. Quand il me dit, est-ce que vous savez, Moustapha, où est-ce qu'on va? Il dit, mais où est-ce qu'on va? On va vers Kony, de Kony, on va continuer sur Tawa. Il dit, non, on va vers l'au-delà. J'ai dit, Jean, on va vers l'au-delà. C'est ça veut dire, on va vers l'au-delà. Il dit, vers la fin, vers rien, quoi. Ah, Jean, ça c'est fort ça. Tu comprends? Alors j'avais laissé mon petit frère qui conduisait, il dit, ah, c'est trop fort cette affaire-là. Mais descends, moi je vais prendre le vélo. Et moi j'ai roulé au Niger des milliers de kilomètres, j'ai jamais eu d'accident. Jamais. La nuit, le jour, je roulais, tu vois. Et
Un gars, 10 tonnes ou 30 tonnes, je ne sais pas, il a garé, il n'a même pas mis de signalisation, il est dans un virage et tout ça, il n'a même pas. Et puis il a même enlevé le pneu, il a. Un truc vraiment, c'est même pas la peine de raconter ça. Et j'ai freiné sur 13 mètres, on voyait les traces du pneu, et je suis rentré dedans quand même. Moi-même, je suis étonné comment je suis vivant. Parce que le volant est venu s'écraser sur. Je ne sais pas comment il a pu s'écraser sans m'écraser la poitrine. Je ne sais pas. Et tous les gens qui ont vu le véhicule ont dit, ah, celui qui est dans le volant là, il ne peut pas être vivant. Il n'y a pas moyen. De là, on m'a amené jusqu'à Koné. Et c'est moi-même qui ai enlevé ma cellulaire quand je me suis réveillé. Et j'ai appelé tout le monde pour signaler ce qui s'est passé. Et comme on a de la chance, j'ai un ami qui passait, qui est à la Touraya. Tu connais la Touraya, non? Et il m'a vu, en même temps, il a envoyé le signal en l'air. Tu sais, toute l'Afrique est infectée d'appareils qui écoutent. Hein? Et les gens ont écouté, tout le monde entier est au courant que l'accident a eu lieu, et voilà. Avant même que le Niger le sache. C'est incroyable, c'est beau. Tout ça, c'est très beau, tu vois. Moi, j'aime bien la technique. J'aime beaucoup ça. L'évolution de la technique, c'est bien. Je vais te relater une histoire. En 1994, hein, il y avait la Coupe du Monde aux États-Unis. Et ça passait par le canal de la télévision nationale. Un moment où tantôt ils sont en grève, tantôt il y a des problèmes. On a fabriqué les paraboles, tu comprends? On a pris le démodulateur, on l'a monté et on continuait à regarder la Coupe du Monde aux États-Unis. Les gens, ils disaient, mais comment est-ce que nous avons fait? J'ai dit, non, nous, votre sous-développement là, nous, on n'est pas dans la catégorie des gens qui gobent ça. Tu sais, moi, je parle avec beaucoup d'humour. Il dit, votre sous-développement, là, ce n'est pas notre affaire. Il dit, nous sommes aujourd'hui dans un monde moderne. Je leur ai expliqué, je dis, voilà comment ça se passe. L'image, là, est dans les satellites. Et les satellites l'envoient sur Terre. Et nous, on a monté un appareil, on l'a. Et on continue à regarder le football, là. Juste après l'accident, tu sais, j'avais un pied caché, là. Jean, il était mort. Et on a fait un truc officiel, vraiment un truc vraiment bien, vraiment bien, vraiment bien. Mais nous qui étions dedans dans la voiture avec lui, qui étions blessés, moi il y avait des béquilles, il y a Damour et Zika aussi qui étaient là. Et les officiels du Niger, ils n'ont même pas pensé venir nous dire, nous saluer. Ça m'a touché. Hein. Et ça, je n'ai pas pu gober ça. Wallahi. Je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Mais ils ont fait une cérémonie formidable pour Jean. On n'est pas que des amis, c'est presque un parent, quand même. Parce que quand l'amitié arrive à ce niveau-là, c'est pas la peine de se fatiguer, c'est un parent. Et j'ai beaucoup de gens comme ça, avec qui j'ai de très bonnes. Regarde quand j'étais à Cannes, là. Hein, tout le monde était avec moi. Je suis allé à Arles. Beaucoup sont venus me trouver à Arles, venant de 700 km, de 800 km de Paris. Hein? Ils sont venus. Il y en a qui sont venus de Nîmes, il y en a qui sont venus de Montpellier et tout ça. Là. Ils m'ont trouvé à Arles. J'étais tout seul dans la grande maison là. Pour me tenir compagnie pendant 10 jours, c'est formidable. Quand Sotigui a vu ma femme et qu'il a raconté à ma femme sa vie, à ma femme, en disant, on a fait un petit silence, il m'a invité chez lui, la maison qu'il a achetée lui-même. Il a relaté à ma dame ce que j'ai fait pour que lui, avec ça, il arrive jusqu'à ce niveau-là. Son fils, comment il s'appelle, Danny, avait voulu faire le même métier que moi, du cinéma.
Il m'a dit de le parrainer pour son film, tout ça là. J'ai dit, ah, moi, je n'ai pas vu un avenir lointain avec le cinéma d'Afrique là. Comme tu fais un métier, tu veux faire la médecine, finis la médecine d'abord. Si tu as fini la médecine, tu viens, tu fais du cinéma et je t'appuie. J'ai dit la même chose à son père. Tu as des idées géniales comme ça, tu ne peux pas faire quelque chose de bon. Parce que quand tu n'as pas un fond, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors Mustapha, je dis que c'est un type qui a vraiment une vision sur le cinéma, hein, vraiment. Un film comme celui-là que je voulais faire, il m'est arrivé à l'idée de voir que les hommes utilisent par exemple un moyen pour être maître d'une situation. Alors, je fais évoluer à travers ce film un avion à réaction qui maîtrise la situation, c'est-à-dire qui gère tout ce qui est sous ses ailes, quoi. Qui est maître du ciel, dès qu'il est en l'air. On finit par savoir aussi que même ce qui ne bouge pas en l'air est plus que lui, tu vois. Et finalement, ça rejoint un peu l'histoire de le film hindou là qui s'appelle Notre Mère la Terre, quoi. La caméra que tu utilises là, c'est la Terre. Hein, le bic que tu as là, c'est la Terre. Tout ça, c'est Notre Mère la Terre. Mais quand tu gères la situation du haut, avec un objet qui appartient à la terre... À travers ses œuvres, il dégage en même temps la difficulté du vivre en Afrique, la dérision. C'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté dans ses œuvres. Il y a en même temps l'attachement à l'Afrique, la vision de l'Afrique telle qu'elle est, avec ses côtés négatifs et ses côtés positifs. Il aurait souhaité que l'Afrique progresse d'une certaine façon. Il en montre parfois le côté négatif en riant de ce côté négatif. Et en même temps, ce qu'il voudrait, c'est qu'il y ait un progrès tout en conservant les valeurs africaines, qu'il montre des valeurs africaines. Il m'a dit un jour, non, c'est bien, Gulde, c'est très bien ce que tu écris là, mais d'abord, qui lit le français? Et puis en plus, c'est en français que tu écris. Qui lit? Personne ne lit. Il dit, fais du cinéma. Si tu faisais du cinéma, tu pourrais mieux montrer ce que tu écris. Ce en quoi, il a raison. Mais je lui ai dit que je ne suis pas un cinéaste et je suis absolument incompétent. Moi, j'ai été formé pour écrire. Et un film aussi simple que Auré, le mariage. De Mustapha, ça montre la cérémonie de mariage que moi je suis obligé de décrire en 10 pages extrêmement compliquées et que les gens ne comprennent pas. D'abord c'est difficile que je décrive bien et puis c'est difficile que les gens comprennent. Or, vous montrez le rituel et tout de suite les gens se reconnaissent. Et ils comprennent. Sambagana, c'est un dessin animé. Combien d'histoires avons-nous dans nos pays que l'on peut présenter sous forme de dessin animé et que l'on peut illustrer et que tout le monde et que les Africains
dans toute l'Afrique, les gens comprennent tout de suite ce qu'on veut, tout ce qu'on veut dire. Même les Africains qui sont dans une autre région, ils comprennent tout de suite. La culture, le cinéma, l'audiovisuel, les Occidentaux nous ont privés de ça parce que nous pouvions nous exprimer correctement avec. Ils nous ont privés de ça. Ce qui est arrivé à N'Djamena, là, si les gens de N'Djamena faisaient beaucoup de films, ça ne peut pas arriver. Moustapha, je vous dis que c'est un type qui a l'idée du film. Hein. Il a pas mal de choses dans la tête en ce qui concerne dans le domaine du cinéma. Hein. Parce que c'est le gars qui cherche. Il cherche comment faire des films pour que les gens en parlent. Quand tu aimes le travail, tu as la santé. C'est ça. Si vraiment j'étais resté bloqué par rapport à moi. Non, si je n'étais pas en train de faire ce que je veux, je serais extrêmement riche, très, très riche. Quand j'ai bousillé des millions pour faire des trucs du cinéma, les gens ne faisaient pas du cinéma. J'ai acheté des caméras, table de montage, de mixage, tout ça. Tout ça, j'aurais pu prendre cet argent, acheter des carrés à Niamey et puis faire des carrés. Quand j'ai tourné tout là, j'avais acheté plus d'une quinzaine de carrés pour tourner dedans. J'ai fait creuser, j'ai mis de l'eau, c'est l'eau de la mare là, j'ai fait creuser ça. Quand vous voyez dans le film, c'est moi-même qui ai fait. Non, c'est-à-dire que c'était mon dernier souci, c'est d'accumuler l'argent. Non, c'était pas ça. J'aimais beaucoup le cinéma et tout ce que je faisais passer par le cinéma, dans le cinéma. Et surtout, il a montré que bon, on peut essayer d'être en s'organisant, de créer quelque chose soi-même, d'être indépendant dans une certaine mesure. Et j'ai beaucoup de chance de pouvoir aller où je veux, pouvoir qui je veux. J'ai travaillé pour le consortium audiovisuel international. De Paris, j'allais en mission pour le consortium. J'allais en mission dans les villes d'Afrique là. J'ai rencontré les ministres et autres là. Bon, j'ai fait ça un peu. Puis je me suis dit, bien, ça c'est pas une vie pour moi, ça c'est pas une bonne vie pour moi. Et j'ai abandonné. Mais quand j'ai abandonné ça à Paris, tout le monde est étonné. Tu as un salaire, tu es inscrit à la sécurité sociale, tu as tout, tu gagnes tout, on te cherche des missions partout. Et tu veux abandonner pour partir. J'ai dit oui, mais je partir. Je crois que mon avenir là, c'est pas ici. Le défunt Kounti a appelé tout le cinéaste nigérien. Il a dit voilà, ce que je veux de vous dans ce pays. Je voudrais que tout simplement que vous fassiez un tournage dans le Niger pour projeter des films au Niger pour que les gens puissent avoir cette vue du cinéma nigérien. Il a fait signer une décision qu'il a remis à Moustapha Lassane de travailler avec le projectionniste pour aller faire le tournage de projections à travers le Niger. Et on fait Tillabéri, Tera, Ayerou partout, Manaville, Gaya partout. On fait une semaine, deux semaines. On fait des projections pour monter la population nigérienne, c'est du cinéma. C'est à la suite de ça que Moustapha a pu s'installer à Tawa. Hein. Il s'est installé à Tawa. Bon, il a un hôtel, c'est vrai, mais il a aussi son laboratoire de développement de films et tout, de dessin animé. C'est pas un technicien, Moustapha, il faut le reconnaître. C'est un type qui réfléchit bien. C'est pas un caméraman, c'est même pas un bon réalisateur, il faut le reconnaître. Mais c'est quelqu'un d'intelligent, ça il faut le reconnaître. C'est un grand créateur pour moi, parce que je veux dire, ce qu'il fait par rapport à son niveau scolaire, je crois qu'il n'a pas. Je ne connais pas son niveau scolaire, mais je pense qu'il n'a pas un grand niveau scolaire. Mais par rapport à la technique qu'il a accumulée aux différentes expériences, c'est un monument pour moi. La finalité de tout ça, là, est-ce que c'est l'étude d'abord? Non, c'est d'abord l'homme. Et quand l'homme est décidé, il va faire ça. J'ai eu beaucoup de temps
à travailler avec des universitaires, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Et ce n'est pas une grande étude qui m'a permis d'en arriver là. Ils avaient la conviction que je faisais quelque chose qui leur plaît. Son seul défaut, c'est que Mustapha est paresseux. Ça, il ne faut pas manquer de le dire. Parce que si Mustapha n'était pas paresseux, comme je l'ai connu, il allait faire aujourd'hui 20 films. C'est pas dire non. Est-ce que c'est un défaut, une qualité? Je le vois parfois, on dit, ah, je voyais, il avait les gens autour de lui, Mustapha, bon, j'ai ceci, j'ai cela. Il ne sait pas dire non, ce qui fait que parfois, quelqu'un qui ne dit pas non, il se dilue un peu dans tout. Et bon... C'est-à-dire que les défauts, au bout d'un moment, sont gommés par les qualités de l'homme. Hein. Mais je ne lui vois pas de défauts. Il est tellement généreux. Mustapha, bon, je peux dire qu'en quelque sorte, il n'est pas un grand défaut. En réalité, il n'est pas un grand défaut. Parce que Mustapha, je dis que c'est un gars qui est très cool. Tu travailles avec lui toute la journée. Quand tu es embêté ou bien tu as besoin de quelque chose, tu lui poses la question. S'il est disponible, il te dit facilement oui. Mais vous savez, souvent, ce n'est pas facile, c'est pas facile de satisfaire les gens comme ils le veulent. Ça peut arriver. Bon, souvent, parmi nous, il y a toujours des, quand les gens se réunissent, 5, 6, 7, 8, il y a toujours des gens qui sont un peu en colère souvent, ils sont fâchés, parce que quand ils demandent quelque chose, ils n'ont pas ça, tu vois, ils se fâchent. Et Mustapha, lui, en tant que réalisateur de film, il est calme, il ne dit rien. Mustapha est quelqu'un de très nerveux. C'est pour cela que j'ai dit qu'il ne peut pas faire du cinéma. Parce qu'avec des acteurs, avec des actrices, il faut être patient. Tu comprends? Quand un acteur a fait une faute, tu ne l'engueules pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le supplier. Ah, ça, c'est pas bien. On va faire peut-être quelque chose qui est mieux que ça. Et voilà comment il faut le faire. Donc, lui, il est toujours nerveux sur le plateau. Et souvent, bon, les gens, c'est des chaînes, quoi. Il y a même des gens qui disent, aïe, aïe, Farga, je suis fatigué, je vais partir. Je vous dis que c'est le gars qui travaille 24 sur 24 heures. Il a toute sa caméra dans ses mains et il fait ce tournage à lui-même. Bon, vraiment, c'est normal. Souvent, quand on est fâché, on doit fâcher, on doit crier. Parce que quand tu dis à un acteur, fais ça, il fait le contraire. Finalement, comment tu vas faire? Tu es obligé de crier sur lui pour qu'il comprenne ce que tu veux. Bon, à la suite de ça, bon, vraiment, Mustapha est cool, hein, ça il faut le dire. D'abord, je n'ai jamais eu de problème avec Mustapha. Je l'ai rarement vu en colère. Je me rappelle un incident qui est arrivé entre lui et Oumar Ganda. Oumar Ganda devait tourner. Il est venu ici. Mustapha était là. Bon, on lui donne la caméra. Il la prend. Il sort là et puis il revient. Il me dit, ah, on a gâté la caméra. Il y a la poussière dans la caméra. Je ne peux pas penser un seul instant que Mustapha puisse mettre un grain de sable dans une caméra pour empêcher un collègue de tourner. Ce n'est pas possible, ça. J'ai vu comment, à quel point Mustapha était désolé. Parce que Oumar Ganda l'a accusé. Là, Mustapha s'est vraiment fâché. Et j'ai simplement dit à Mustapha, non, écoute, ça, tu sais, tu ne peux pas te disculper. Tu ne peux absolument pas te disculper. Parce que s'il ne veut pas tourner, il trouvera n'importe quel argument. J'ai discuté avec lui maintes fois et on s'engueule. On arrive même souvent à nous séparer, mais pourtant, quelques minutes après, ça passe, il m'appelle, on cause et puis on fait tout ce qu'on veut. Quoi. Ça, vraiment, sur ce point, il est doué. C'est pas un rancunier. Même si quand tu te fâches, il a un système de s'apaiser et s'adapte à tout le monde quoi, automatiquement. En réalité, je peux dire que jusqu'à demain, il fut mon patron. Je ne le fuis pas. Et je l'estime beaucoup. Non.